Salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je suis avec un pote et ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va créer une pub de prévention routière sur le thème plus précis du téléphone au volant. Et souvent dans les pubs à la télé on voit pas trop les gens se faire percuter et donc aujourd'hui c'est un peu notre défi. On veut essayer de mettre ça. On veut voir les gens se faire shooter. On veut essayer de faire un petit effet spécial en fait en mode où on me voit me faire percuter sur fond vert etc. Donc on va, c'est un peu le gros challenge de la vidéo. Et donc je vous laisse avec la vidéo finale et on se retrouve tout de suite pour commencer le tournage. Regardez votre téléphone. Qui regarde la route? Sécurité routière. Tous touchés. Tous concernés. Tous responsables. Alors là, on va sortir le matos. Donc là, on va faire un premier plan où en gros, je vais mettre avec un monopode, je vais mettre le stabilisateur au-dessus et on va juste avoir la voiture juste pour un début de plan pour introduire le contexte en fait de la pub. Donc voilà, le petit Ronin SC. Il est tout neuf. Je l'ai eu avant-hier. Donc voilà, c'est nickel. Ça va être le premier tournage. Et donc voilà, je vais juste mettre l'appareil au-dessus là. C'est celui qui est en train de filmer, donc je vais le mettre juste après. Et en fait, je partirai du sol comme ça avec le stabilisateur. Et puis je monterai pour faire un effet drone, vu que j'ai pas de drone. En plus, là, on est dans une zone où il y a des avions, donc de toute façon, on n'aurait pas pu utiliser de drone. Donc voilà, je vais installer tout ça, je vais vous mettre sur l'autre caméra. On y va. Regardez le plan et il est un peu, je pense qu'il faut qu'il aille un tout petit peu plus vite, du coup on va juste la refaire. Je parlais à la caméra, j'avais oublié que tu étais en parlant. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est top. Ok, donc là je vais faire un petit plan au stabilisateur devant comme si j'étais sur le capot en fait pendant qu'il roule. Sauf que du coup on va le faire à l'arrêt, mais je vais essayer de bien cadrer pour pas qu'on s'en rende compte. Ok, c'est nickel. Ok, donc là je me suis mis à l'intérieur de la voiture parce qu'il y a beaucoup de vent. Je suis désolé pour le son parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Et donc là je vais faire un plan assez risqué parce qu'en fait je vais mettre le monopode sur le stabilisateur et je vais mettre par la fenêtre en essayant de prendre un plan sur la roue. Donc ça va être assez risqué et donc on y va tout de suite, j'installe le matériel. Si je te dis que c'est un plan de génie, c'est trop beau, c'est magnifique. C'est bien? Magnifique. Bon là c'est à l'envers donc je le retournerai au montage. Tu vois donc ça sera quand la société elle montera, on verra le compteur, le truc, un plan d'ici. Ouais. Avec un bruit de moteur derrière qui en même temps couplé avec des plans du piéton, ouais c'est fort. Ouais c'est top. Tu me dis du coup alors là qu'est-ce que tu veux comme plan? Alors là en fait je vais juste filmer un plan de toi qui va très vite. Avec l'AirPod au volant c'est encore mieux. Voilà, ça fait vraiment gros. Ça fait vraiment. Tu vas regarder ton téléphone exact. Je roule un peu. Ding. Regarde-le pendant longtemps. C'est bon. Hop là. Nickel ça, tout se passe bien. Bah écoute, jusqu'ici ça va. Là ah, ouais, là tu peux te mettre à l'arrêt carrément parce qu'on va faire des plans sur le téléphone. Donc là je vais pas avoir besoin du stabilisateur vu que je vais faire un plan juste sur le téléphone. Donc c'est inutile, ça m'encombrerait plus qu'autre chose. Oh, je l'ai bien fixé hein. Je me suis dit sur les plans, surtout sur le plan de la voiture, là je me suis dit non, là c'est trop. Là on va juste filmer quand la notif elle apparaît. Je vais enlever ma carte bleue, que les gens récupèrent pas mes codes. Merde. Ouais, ça serait dommage. Tu vas même participer en envoyant toi-même le message à toi-même. Allez. Tu me dis. Quand tu veux. Ok, et maintenant tu peux le prendre comme si t'étais au volant et tu le prenais là pour répondre. Voilà, nickel. On va faire un plan genre un peu en mode au-dessus de ton épaule où tu vas être en train de l'écrire le message. Ouais. Et là tu me dis. Non, rapproche-le en fait, non, parce qu'on voit l'extérieur qui bouge pas, c'est. Comme ça? Ouais, comme ça, voilà. Tac. Et là juste tu me bois, tu me dis quand tu veux. Et là, quand tu veux, tu écris.
nickel. Ça, on verra que du feu parce que... On verra que du feu parce qu'en fait, regarde. Je cadre pour pas qu'on voit l'extérieur, tu vois. Parce que si on voit les vitres, ils sont pas... c'est louche. Du coup, ouais, c'est bon, c'est nickel. Ensuite, je vais regarder mes notes. Plan du tel avec le notif, on l'a fait. On le voit baisser la tête, ça, on l'a fait. Il répond, hop, c'est fait. Une main sur le volant, tu vois, c'est ça que c'est bien de noter. Les... Ça, on l'a pas fait. Tu me dis c'est une voiture qui arrive au pire. Ouais, hop, moi, je regarde la route. Voilà, moi, je regarde mon truc. Ok, c'est bon. C'est bon ? On l'a. Plan piéton qui marche tranquille, plan sur sa tête. Ah oui, après il y a piéton aussi, faut pas. Ouais, ça faudra le faire. Mais ça, c'est des plans dehors. Ça, et ça. Voilà, on a ça, ouais. Et c'est les derniers là. Tu vois, okay. il nous reste limitateur de vitesse où faut aller là-bas. Ouais, ça on peut le faire à la fin. On peut le faire à la fin. Et plan sur le comté, on le fera en même temps. Les deux, on fera le combat en même temps. Oui, plan sur. Bah là, on fait tous les piétons en fait. C'est à moi de faire l'acteur. C'est à toi de jouer ? C'est à moi de faire l'acteur. Allez. Allez. Donc du coup voilà comment ça rend. Donc là je laisse un peu d'air sur le côté là comme ça parce qu'il va avancer après. Donc je m'attends. Ouais voilà, tu vas être de profil comme ça. Enfin je vais être de profil du coup. Montre-moi si c'est bien. Ouais t'es pas mal. Donc là en fait c'est quoi, c'est comme si t'allais en fait. En fait là je vais faire juste un plan où je vais partir hors champ. Ouais là, donc là t'y es plus. Ouais. Ok d'accord. Ouais nickel. Bon en vrai ça a l'air mais. Attends, je pense à après. Après je vais marcher et toi tu arrives. On va faire une entrée d'ici du piéton qui passe là et puis juste ici on se mettra, moi qui me fait percuter. Donc on va faire ça tout de suite. Normalement là on voit. Ça fait pas bien. On voit. Attends. Ouais, là t'étais dans le champ. J'étais dans le champ. Ah ok, bah ça en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok, non, je suis pas mal. Si vous l'entendez, mais il y a un vent de malade. J'espère la bonnette était bien son job. Bah, je vois tout à l'heure la bonnette, elle fait comme ça. Elle pense. Ok, donc là il y a beaucoup de vent. Je vais me mettre dans la voiture pour vous expliquer. Mais là, je vais juste faire un plan au ralenti sur mes chaussures. Donc ça sera l'un des derniers plans juste avant que je me fasse percuter. Donc le suspense sera au maximum. Donc je vais faire ça tout de suite. Ouais, nickel. Bon du coup les gars, là ce que je veux faire c'est faire un petit plan du panneau et en fait il va passer derrière très vite. Ok, donc là on va faire le petit plan sur le compteur. Donc je vais juste filmer avec le stabilisateur le compteur. On mettra ce plan là juste après le plan du panneau pour faire comme s'il allait très très vite et tout. Du coup bah je vais filmer tout de suite. Ok, donc là ça c'est fait. Ok, donc là il nous reste le fameux plan du fond vert et on va le faire tout de suite hein. D'accord, mais du coup, comment tu vas t'y prendre pour le fond vert? Comment tu fais? Bah en gros, le fond vert, c'est simple. En fait, on va mettre juste la caméra, on va la poser sur un plan fixe et on va mettre le fond vert. Moi, je vais faire genre comme si je me faisais percuter. On va retirer le fond vert, on va rien bouger au plan et tu vas passer en voiture, tu vas bombarder et je vais assembler les deux plans. Je vais retirer le fond vert au montage et puis ça fera l'effet percuté. Ok, ça marche. Du coup, bah, on va installer le fond vert tout de suite. Bon, on a vraiment galéré à installer le fond vert parce qu'il y avait beaucoup de vent et du coup, le fond vert s'envolait, ça faisait effet voile. Du coup, on s'est dit, on va le plaquer contre la clôture derrière. Sauf que ça allait toujours pas, le fond vert était beaucoup trop petit. Je vous mets la séquence, on s'en est rendu compte, elle est assez drôle parce que j'avais bien le seum. Et là, je fais comme ça. Ouais. Putain, ça sent tout bien. Putain, non. C'est chaud, hein. Chaud de fou. Bon, l'effet du fond vert, vous avez vu, c'était vraiment une galère, on n'a pas réussi à le faire sur le tournage, mais je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire chez moi sur fond vert et je vais l'incruster à la scène qu'on avait tournée. Sauf que c'était beaucoup plus galère que ça parce qu'il n'y avait pas la même lumière, etc. Du coup, je vous mets la scène maintenant, mais c'était horrible.
Voilà, du coup c'était pas ouf, mais ce que j'avais tourné aussi, j'avais tourné la scène complète sans le fond vert, sans rien, et du coup j'ai essayé de faire un truc, je me suis lancé dans un montage avec des masques sur la voiture, sur le truc, j'étais dans Photoshop pour me détourer, etc. Mais j'ai réussi à faire un truc assez bien, c'est assez réaliste, je vais vous mettre ça maintenant. Franchement, je trouve que la vidéo finale, elle est vraiment stylée. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous la mettre juste après. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que ça m'a pris beaucoup de temps quand même. J'avais 3 caméras, tout ça. Je vous laisse avec la vidéo finale. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Regardez votre téléphone. Qui regarde la route ? Sécurité routière. Tous touchés. Tous concernés. Tous responsables.